crois qu'on fait du jiu-jitsu, on a un peu tendance à oublier que c'est un sport qu'on a fait, qu'on a commencé en tout cas au début par plaisir. Certaines personnes qui font de la compétition peuvent se mettre beaucoup de pression pour arriver à faire le nombre d'entraînements qu'ils veulent, la qualité d'entraînement qu'ils veulent, la bonne nutrition, la bonne préparation physique à côté. Donc c'est beaucoup de pression. Pour ceux qui ne font pas de compétition, ça peut être se mettre la pression par rapport à un éventuel plateau technique. On a tendance à se dévaloriser si pendant une certaine période on estime qu'on ne progresse pas, même si on progresse toujours juste en venant s'entraîner. Tout ça pour dire que parfois on oublie que le jiu-jitsu c'est un jeu. Ça, on est là, on le fait par plaisir à la base et il faut retrouver donc notre âme d'enfant tout simplement. Et c'est exactement ce que nous conseille mon invité de l'interview d'aujourd'hui, Christian Rodriguez, dans cet épisode numéro 3 de l'interview dans la tête d'une black belt. Salut la team Jiu-Jitsu Attitude, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Alors, on est tous un petit peu en manque de Jiu-Jitsu en ce moment, c'est vrai, d'apparaître les contacts que j'ai avec mes partenaires d'entraînement, les retours que vous me faites sur mes newsletters. Alors, on est tous un petit peu à cran, on espère pouvoir rouvrir rapidement et continuer à pratiquer le sport qu'on aime tant. L'avantage, c'est que en ce qui me concerne, ça m'a permis de ressortir une interview qui était tournée, il me semble, en fin janvier. Donc on est fin avril, j'ai pu enfin effectuer le montage et je vous tourne aujourd'hui l'introduction à cette vidéo. Donc le confinement a été bénéfique au moins sur ce sujet. J'espère que de votre côté vous mettez le temps à profit pour profiter de votre famille ou de bosser de chez vous sur différents projets pour quand on va être enfin libéré. Donc aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que je suis allé interviewer Christian Rodriguez qui est la personne qui m'a donné mon tout premier cours de jiu-jitsu brésilien. C'est pas mon prof principal, mais en tout cas c'est la personne que je suis allé voir en premier avant que je commence réellement à me mettre au jiu-jitsu. Et donc ça m'a fait plaisir de retourner à la base, donc dans son académie à Nice Centre. Donc vous allez voir que Christian il a une histoire qui est intéressante sur son apprentissage du jiu-jitsu au Brésil, puis son arrivée en France. Et aussi il a une vision des choses qui va vous plaire. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience en tant que prof ou et compétiteur. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment nous aider à progresser tous. Donc je vous laisse regarder l'entretien et on se retrouve tout de suite après. Salut les gars, écoutez, aujourd'hui je suis un peu dans la famille, je suis avec Christian Rodriguez, merci de m'accueillir. Et je disais c'est la famille parce que en fait Christian c'était vraiment la personne qui m'a donné le premier cours de jiu-jitsu brésilien, avant même Pierre Girard, son élève, qui est mon professeur depuis 6 ans quasiment. Mais quand j'ai vraiment commencé au début, je faisais 2-3 mois par-ci par-là. Et c'était à toi la salle d'Antibes, d'Antibes aussi. D'Antibes, ouais. Et à la salle près du port à Nice à l'époque. Ouais, voilà, et je venais un petit peu comme ça. J'ai commencé le jiu-jitsu sérieusement en 2013, donc bien longtemps après. Et c'est Christian qui m'a introduit un peu au jiu-jitsu brésilien. Donc je suis très content d'être là parce que, comme je disais, ZR Team, Nice, Antibes, c'est la famille. Et voilà, donc on va avoir un petit peu la question son parcours. Toi, t'es quelqu'un de reconnu sur la scène du jiu-jitsu en France. Tout le monde te connaît. Mais à la base, peut-être que certains de nos lecteurs du blog ne connaissent pas. Donc toi, comment t'es arrivé d'abord à commencer le jiu-jitsu et puis après ton histoire, ce qui t'a amené en France, quoi. Salut tout le monde.
commencé au Brésil, évidemment. Donc, j'ai connu ça dans ma mère, en sur le tatami. Ouais. Donc, avec mon professeur, c'était un ancien surfeur professionnel. Donc, on s'est fait connaissance, avec mon père aussi, il a fait connaissance. Donc, au début, j'ai eu un peu de difficulté parce que j'étais assez petit, mes parents, ils voulaient pas m'amener, parce que le jiu-jitsu à l'époque, c'était un peu mal vu. Voilà, c'était à l'époque, ils ont payé les bad boys et tout ça. Et ma grand-mère m'a amené aux entraînements, voilà, elle m'a amené aux entraînements. J'ai arrivé à m'y développer. Après, on s'arrêtait un peu. Après, j'ai continué. On s'arrêtait un peu quand j'avais des mauvaises notes. Attends, parce que toi, tu as commencé. Au départ, tu faisais un peu de surf, ça, ouais. Avec des amis. Voilà. Et donc, un de ses amis. Un de ses amis. Faisait du surf. Voilà. Il m'a présenté mon professeur à l'époque. Le club s'appelait Freestyle. D'accord ? Freestyle. Ça s'appelait pas Grisparm à l'époque, ça s'appelait Freestyle. Et Zay ne donnait pas les cours, c'est qui donnait les cours, c'est un autre gars, Charles, ça s'appelle, Charles, et qui aujourd'hui il est aux États-Unis, c'était derrière la maison à Zay. Donc quand je suis arrivé, il y avait tous les gars, on avait un tatami qui faisait 40 mètres carrés, c'était pas fait pour m'entraîner, on était assez nombreux, et en même temps, il faisait chaud énormément. Et bon, à l'époque, on avait un kimono blanc qui devenait jaune. C'était dans quelle région de Brésil ? À Recife. Au Nord-Est du Brésil, à Recife. Ouais. Donc. Au nord du Brésil, avec un climat vraiment chaud. Voilà. Voilà. Donc, du coup, la difficulté que j'ai eue au début, c'était justement le fait que mes parents ne pouvaient pas m'amener tout le temps. Donc c'était plutôt ma grand-mère qui prenait en charge tout ça. Ma mère ne voulait pas, mon père ne voulait pas, donc bref, m'amener en compétition et tout. Ça, c'était la difficulté que j'ai eu à l'époque. Donc la mamie, elle a poussé derrière. Ouais, donc après, bah, toi, là, tu disais, tu sais, t'avais quel âge? Ça, j'avais 10 ans. T'as 10 ans? Ouais, à 10 ans. J'avais 10 ans. Belle expérience. Ouais. Vraiment, on était tous voilà, petits. Quoi. Et donc après, tu as continué jusqu'à... Après, je suis parti à Rio parce que mon père, c'est un ancien de l'armée. Donc, on a déménagé, on est parti à Rio. J'ai m'entraîné là-bas quelques temps. Après, je suis revenu à Recife et j'ai continué avec Zé, la blanche jusqu'à aujourd'hui. Quoi. D'accord. C'est quoi tu l'as eu au Brésil? Non, ça c'est du Brésil. J'ai eu ici. D'accord. Parce que quand t'es arrivé en France, quoi, avec quel âge quand t'es arrivé en France? Ben, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Nice en 2000, fin 2004. Ouais. Si je ne me trompe pas, la mémoire elle est courte, hein. Fin 2004. Donc j'ai passé ma ceinture marron en 2009. Ma ceinture noire 2009. Aujourd'hui, ça fait 10 ans de ceinture noire. Ouais, d'accord. Et j'ai toujours voyagé pour les compétitions, pour m'entraîner. Parce que il faut savoir que quand toi t'es arrivé dans la région, il n'y avait pas grand chose encore. Il y avait déjà quelques clubs. Voilà, il y avait un club. Quand je suis arrivé à la région, il y avait un club. Les gars, ils s'entraînaient, c'était des passionnés. C'était des gars qui, un, deux, ils avaient déjà été au Brésil. C'était qui? C'était quel club? Ben, en fait, ils n'avaient pas un nom. C'était un club au Vunis, un club de lutte. Ouais. Les gars, ils se réunissaient là-bas pour s'entraîner, pour voilà. Et quand moi, je suis arrivé, j'ai loué un local au port, justement, chez Michel Carrière. Ah oui, d'accord. Jeunesse Judo, qui m'a ouvert les portes, que je remercie beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Car aujourd'hui, ils sont chez nous. C'est un vrai. Voilà, aujourd'hui, c'est lui qui loue ma charge. Voilà. Donc, il m'a ouvert les portes à un moment où le judo, il n'ouvrait pas les portes au jiu-jitsu, ni ici, ni à Paris, ni à même pas. Mais comme lui, c'était un gars toujours ouvert, ces gars, ils étaient au Brésil déjà pour s'entraîner au sol, tout ça, il était hyper content de m'avoir eu à sa salle. Je commençais à donner des cours à ses élèves, et après j'ai développé un peu le monde, deux, trois, quatre. Il voulait faire découvrir ça à ses élèves aussi. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, on est amis, j'ai resté 7 ans dans sa salle. 7 ans. Toi, tu vois, les questions qu'on pose sur les lecteurs du blog, ceux qui suivent un petit peu le Jiu-Jitsu Attitude,
Elle me demande souvent des conseils sur comment passer certains caps. Est-ce que toi, dans ta progression vers la ceinture noire, parce que ici on est dans une interview là à la tête du black belt, est-ce que toi, dans l'évolution vers la ceinture noire, tu as eu des moments de plateau, de doute, alors que ce soit technique hein, ou alors mental, où tu as des moments où peut-être tu te disais je progresse plus, c'est pas possible, ou alors des problèmes techniques, quoi, tu dis j'arrive pas avec cette position, tu vois. Tu sais, Fleur, là, pour cette question-là, je reviens à la base. C'est-à-dire que je reviens justement au Brésil. Nous, au Brésil, quand on apprend le jiu-jitsu, on a zéro responsabilité. C'est-à-dire que personne ne force à faire quoi que ce soit. Tu ne commences pas au jiu-jitsu pour avoir des médailles dans ta vie, ou pour y être un champion et avoir 50 millions de médailles chez toi. Tu commences le jiu-jitsu pour avoir surtout une hygiène de vie. Une autodéfense, la confiance, la discipline, etc., etc. L'entretien physique. Voilà, l'entretien physique. Nutrition, avec. Mais vu que le jiu-jitsu, c'est un sport assez passionnant, parce que c'est énormément technique, donc ça attire énormément l'intérêt des gens. Selon le club où tu t'entraînes, comme moi, je m'entraîne dans mon club, le compétitif qui est dans toi, tu lui développes vite. Ouais. Parce que déjà, sur le tatami, t'as 80% des gars qui font des compétitions, donc personne ne va te passer la main sur la tête, on va aller doucement avec toi. Tu comprends les 80% des compétiteurs. Donc, tu forces justement à développer ton niveau technique beaucoup plus vite qu'un débutant qui vient de commencer au ralenti pour pouvoir être à niveau. Ouais, d'accord, bien sûr. Donc, tu te poses pas la question à savoir si tu allais faire la compétition ou pas dans un club comme ça. Voilà, tu te poses pas des questions, même parce que j'ai des gars dans mon club jusqu'à aujourd'hui qui n'ont jamais mis en pied sur un tatami de compétition. C'est des ceintures noires qui, je peux te dire, j'ai vu des grands champions venir chez nous et s'y faire prendre. Ouais. Des gars qui sont deux fois champions du monde, champions du Brésil, etc., ils ont se fait prendre par lui. Tu vois, donc c'est un peu dommage. Tu te dis pourquoi t'as pas fait de compétition. Voilà, c'est un peu dommage, mais après ça rentre plusieurs cadres là-dedans. Ça rentre le mental, comme tu as dit. Ça rentre la disposition familiale, le travail, tout ça. Parce que différemment, c'est qu'on pense. Chez nous, on travaille tous. Ouais, au Brésil, ils travaillent pas, ils font que ça. Non, on travaille. Ouais, ben c'est très rare en fait. Voilà. Encore aujourd'hui, je sais pas quel pourcentage ça peut représenter, mais c'est infime. Voilà, donc on travaille tous, mais la différence c'est que chez nous, on a des cours du matin, des 6h du matin, jusqu'au soir, 22h. Donc forcément, selon tes heures de travail, si tu commences l'après-midi, tu as déjà 3 cours la journée que tu peux faire. Et si tu finis ton boulot le soir, tu as déjà 2 cours le soir que tu peux faire jusqu'à 23h. Donc ça, je vous parle du mon club. Donc, on a tout le temps des entraînements et tu peux suivre. Donc qui tu travailles, que tu as de la famille, que tu travailles pas, tu peux développer. Quand on démarre, un conseil que j'ai à donner à tous les débutants qui viennent de commencer le jiu-jitsu, c'est que pensez simplement à la joie et au partage. C'est ça que j'ai dit à mes élèves aujourd'hui, parce que moi personnellement, j'apprends beaucoup avec mes étudiants. J'apprends énormément. J'apprends sur mes erreurs, j'apprends sur mes qualités et j'apprends avec eux. Parce que je pense que c'est important le partage. Le partage commence là, du professeur à l'élève. Moi, ce que je leur donne le conseil à chaque fois, c'est que amusez-vous. C'est important à la base. C'est très important parce que justement, la responsabilité de gagner une compétition, la responsabilité de devenir un champion, du fois sans pouvoir, ça te fait du fois dégoûté. Je sais pas si c'est le bon mot. Ça te fait du fois ralentir ton évolution. Il n'est plus à voir cette envie de continuer. Parce que tu vois ton pote qui est à l'école, mais que son père lui paye un billet pour les États-Unis, pour le championnat du monde, pas l'Américain, championnat d'Europe, machin. Mais toi, tu lui bats au club. Mais lui, il va là-bas, il gagne. Mais toi, tu ne gagnes pas parce que tu n'as pas l'opportunité d'y aller. C'est-à-dire, cette responsabilité-là, à mon avis, c'est au prof uniquement d'y enlever de ses élèves. Attention, c'est naturel. Aujourd'hui, j'ai des gars dans le club comme Fabrice, 54 ans, 125 kilos, un gars qui travaille dans sa boîte, dans sa boutique toute la journée, qui vient s'entraîner le soir, champion d'Europe, nogi. Voilà.
12e au championnat d'Europe la semaine dernière, ouais. Et 3e dans toute catégorie absolue. Ouais, comme quoi, on peut le faire quand on se donne les moyens. Et jusqu'avant, le championnat d'Europe, Nogi ne faisait pas de compétition, il avait la crampe. Ouais. Ouais, c'est comme moi, j'ai jamais fait de compétition encore. Alors, en 2020, j'en ai jamais encore fait. Voilà. Je suis sur Violette, j'ai jamais fait. Voilà. Et cette année, j'ai décidé de passer à l'action. Mais il faut pas que ça soit une responsabilité pour toi. Parce que c'est pas que j'ai eu un déclic, c'est que je me suis dit, ah, c'est quand même dommage, si tu veux, dans mon histoire personnelle avec le Jiu-Jitsu, de pas faire de compétition. Parce que je vois tout le monde autour de moi qui va, ils s'amusent, ils gagnent, ils perdent, mais ils en ressentent grandi. Moi je dis, j'ai pas envie de manquer ça, donc j'ai envie de... C'est quelque chose qui me fait peur, j'ai peur de me blesser. Mais personne tu forces à ça. J'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de décevoir mon professeur, mes partenaires d'entraînement et tout ça. Et en fait, il faut y aller, il faut pas trop se poser la question. Le but c'est de se faire plaisir, c'est comme tu disais, c'est de se faire plaisir. Tout à fait, parce que la responsabilité de gagner ou de participer, il faut que ça soit naturel. C'est-à-dire, il faut que personne te dise, ouais, il faut que tu ailles parce que tu es bon, ou il faut... Parce qu'après, tu dois aussi avoir le droit de dire que tu ne vas pas parce que tu n'es pas assez bon. Ouais. Et quand tu dis, il faut que tu vas parce que tu es bon, tu développes sur la personne un instinct de victoire. Ouais. Donc, tu lèves un peu son moral. Mais en même temps, quand cette personne aura le bas, parce que là, il a le haut, quand il aura le bas, tu seras obligé de lui dire, ne va pas sur cela parce que là, tu n'es pas trop à niveau comme avant. Ouais. Donc, tu ne sais pas comment la personne va recevoir. Travailler avec les gens, travailler avec des personnes, c'est un apprentissage tout le temps. Ouais, moi, j'ai appris beaucoup à Nice. Comme tu dis, je suis un des premiers à avoir des clubs. J'ai perdu beaucoup d'élèves à cause de mon comportement. C'est-à-dire un Brésilien qui arrive à Nice avec un comportement d'un Brésilien, avec les habitudes d'un Brésilien. Tu vois, de dire des choses qui est la susceptibilité française, du français, en fait, ça va contre cette susceptibilité-là. Pour qui j'ai appris ça aujourd'hui, j'ai eu des pertes de personnes importantes pour moi, j'ai eu des pertes des élèves, tu vois. Mais aujourd'hui, je vois que, avec ces changements, depuis, le club, il a fait que monter. J'ai eu des élèves qui sont retournés, d'autres non, mais bon. On essaie de garder quand même le contact parce qu'on est quand même. Donc, il y a eu des années de partage. Des partages. Mais aujourd'hui, par exemple, on a réussi entre Nice et Antibes à ramener 29 combattants au championnat d'Europe. Ouais, c'était quand même pas mal. C'était vraiment pas mal. Vous voyez, donc, on a fait un paquet de médailles entre les deux clubs. Mmh. Donc, au championnat d'Europe Nogi, on était 7. Vous voyez, et on a fait 5 médailles. Non, on était 6, on a fait 5 médailles. Mmh. Donc, et moi je les mets toujours devant, pourquoi? Parce que mon rôle aujourd'hui, c'est d'enlever cette responsabilité des gens, de lui faire apprendre à s'amuser, de lui donner cette envie de venir au club, qu'il s'assoit pour s'asseoir et boire un café. Ouais. Il regardait l'entraînement, discuter, rigoler, mais qu'il se sent bien ici. Ouais. À l'aise. Aujourd'hui, je ne suis pas un général dans mon club, au contraire, je suis un collègue, je suis un partenaire d'entraînement pour mes élèves. Et je suis le professeur quand ils ont besoin. Tu ne vas pas forcer des élèves à aller faire de la compétition? Non, forcément. Je ne force personne à faire de la compétition parce qu'à partir du moment que tu as un niveau, le niveau qu'on a aujourd'hui dans le club, c'est lui qui va décider. Exactement, ça vient naturellement. Ça vient naturellement parce qu'aujourd'hui tu as un débutant qui s'entraîne avec un compétiteur. Ouais. Voilà. Toi, tu es entraîné aujourd'hui avec des compétiteurs. Ouais. C'est-à-dire. Donc toi, tu vas dire, mais attends, je suis allé chez Christian, je me suis entraîné avec le vice-champion d'Europe, avec le champion d'Europe, avec le machin. C'est-à-dire, pourquoi pas essayer? Si tu lui poses la question, coach, tu penses que je peux faire de la compétition? Je t'ai dit oui. Oui, mais je pense que, j'ai dit, écoute, ne te mets pas des responsabilités. Au moment où tu te sens, tu me dis, je t'accompagne. Ouais. Ouais. Ça fait laisser la personne à l'aise, tranquille et bien dans sa peau pour s'entraîner tranquillement et lui choisir le jour de participer. Moins de pression. Exactement. Cette pression, ça ne doit pas exister. Sans le jiu-jitsu, ce n'est plus du sport amusant, ce n'est plus l'hygiène de vie qu'on veut que ça soit. Ça devient quelque chose vraiment ciblé. C'est-à-dire, si tu fais du jiu-jitsu, il faut que tu sois un compétiteur. Non.
Pas forcément. Il y en a des gens qui n'en feront jamais, voilà. Qui aiment autant venir s'entraîner toute leur vie. Par contre, que tu sois compétiteur ou pas, il faut être bien clair que le jiu-jitsu, c'est un sport compétitif. Ouais. Déjà l'entraînement. Mentir, ouais. Voilà. Déjà l'entraînement, comme tu dis, on ne peut pas mentir. Soit tu gagnes un combat à l'entraînement par points, soit tu gagnes par soumission. Tu comprends? Donc, et ça, cette façon de penser, c'est au prof de passer à ses élèves. Ouais. Et je pense que ici, dans le club, j'ai essayé énormément de faire ce travail. C'est-à-dire, regarde le monde qu'on a eu aujourd'hui en Nogi. Hier, on était 30 personnes à l'entraînement. À chaque fois, on est 20 personnes minimum par cours. Et ça, j'ai jamais eu. Ça fait des 2 ans, des 3 ans ici, qu'il y a ces mondes dans la salle. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de monde. Et surtout, que j'arrive de plus en plus à faire développer dans chaque élève l'envie d'être quelqu'un. Parce que tu ne peux pas simplement donner des cours pour une inscription. Ouais. Il y a beaucoup plus de choses derrière qu'une inscription, qu'une mensualité. Il y a une vie qui supporte d'autres vies. Ouais. Non, mais les gens, quand ils viennent découvrir un sport, mais aussi tout ce qui va autour. Exactement. C'est les arts martiaux, il y a tout un... c'est une famille, c'est un petit... Exactement. Le développement personnel, il est très important dans le jiu-jitsu, parce que quand tu arrives ici avec un mental un peu faible, et que quelqu'un qui remonte ses morales et qui te fait changer justement ta façon de penser, tu sors d'ici, même si tu t'es pris une grosse... même si tu fais battre, tu te fais plier, mais tu sors d'ici léger et content. Justement, avec un bleu sur le visage, mais content parce que ton moral, il est là-haut. Tu étais à côté des personnes qui ont dit que tu peux arriver. Ouais. Même si dans ta tête tu t'es dit je sais pas ou je peux pas. Mais pour quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est vrai que c'est un sport qui va développer la confiance en soi comme ça. Mais c'est ça le partage en fait. Le partage de quoi je parle, c'est ça. C'est pas que le partage technique, c'est aussi le partage humain. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Qui fait partie de la vie. Ça, attention, quand je te parle de ça, c'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait un travail psychologique sur moi-même. Énorme, mais vraiment, vraiment, vraiment grand, pour avoir ces changements, pour avoir cette façon de penser là, pour être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus diplomate et moins susceptible à des choses que je ne connais pas ou que je ne suis pas habitué à les avoir. Ouais, d'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu as la susceptibilité voilà. Des Français, tu as essayé de peut-être mettre voilà. un peu dedans ton corps voilà. Comme ça. En tant qu'ils disent oui, mais... La susceptibilité n'est pas bonne. J'ai dit non. La susceptibilité, ça fait partie de l'être humain. C'est à nous de s'adapter ou pas. Ouais. Donc moi, j'ai préféré de m'adapter. Ouais. Donc aujourd'hui, en tant que personne, j'ai évolué énormément. Et forcément, ça touche mon côté professeur et coach. Ouais. Et parmi les élèves, tu vois l'évolution, parmi les médailles, parmi les personnes. Surtout parce que les médailles, c'est juste un moment. C'est qui reste, c'est que tu donnes en tant qu'humain à tes élèves. Donc, c'est qu'ils absorbent de toi en tant qu'homme, tu vois, et en tant que coach. Ouais. Plus homme que coach, en fait. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas tous qui font des compétitions. Ouais, bien sûr. Et, ok, merci pour tous ces conseils et voilà, de nous avoir partagé cette vision des choses. Quelle est ton actualité, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, des compétitions, tout ça? Là, déjà, dimanche, le 9, Là, c'est dimanche, on aura un stage avec Gabriel Souza. Gabriel Souza, oui. Voilà, gros champion du monde, fait partie de notre équipe, sera là dimanche 9 février. Après, on commence déjà à étudier la possibilité, le mois de mars, je pars à Budapest, donc je donne un stage à ZDR Hongrie. Et après tout ça, on part déjà sur un camp d'entraînement pour le championnat d'Europe Master. D'accord. Qui va se passer au mois de mai. Barcelone. À Barcelone. Donc, basé sur ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est eux-mêmes qui sont venus me voir. D'accord. Ok. Christian, nous, Master, on va à Barcelone, nous? J'ai dit oui. Je sais pas si je pourrais, mais j'ai dit oui.
Parce que quand ça vient d'eux, il faut pas dire non. Donc j'ai dit oui. Donc comme ça, mois d'avril, on va commencer donc notre plus gros au niveau compétition maintenant, c'est Master à Barcelone. Okay, après, il y a des. Je vais réfléchir aussi. Et après, il y a des petites. On a des petits projets pour le club. Ouais. Donc toujours des petits travaux à faire. Ouais, ouais. On va refaire le toit. On est en train de développer d'autres cours ici au club. D'accord. Donc par exemple, on a une façon plus comme on a travaillé avant avec la technique la semaine. On va développer tous les échauffements qu'on fait, c'est des échauffements techniques, comme ouais. aujourd'hui, comme ouais. tu l'as vu. Ouais. Donc on fait par exemple deux techniques, c'est-à-dire un single leg, une variation de single leg, et on travaille ça à l'échauffement. D'accord, voilà, c'est un échauffement pratique. Et un échauffement technique, justement, pour qu'on sort pas du cadre technique du travail, et indirectement, l'élève est en train d'apprendre deux trucs de plus, à part ce qu'il a pu. Bon, on a, j'ai suivant des idées pour développer, surtout avec les enfants. Ouais. Donc, avec les enfants, on part à Toulon, on a ces projets-là, de partir à Toulon, donc, pour l'Open de Toulon, l'Open de Monaco. Le club, il s'arrête pas. Bon, super. Ben, les gars, si vous passez dans la région, voilà, vous pouvez venir ici, à ZR Team Nice. Je vous mets en dessous les liens sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez contacter Christian et il vous accueillera. Voilà, comme moi, j'ai été accueilli ici. Très bien. J'ai juste une chose à dire à la fin. Ouais. Je pense que être en ceinture noire, c'est pas simplement mettre une ceinture sur soi et faire un cours. C'est aussi être un exemple pour beaucoup de gens. Donc, je profite de l'image, justement, du blog. Ouais. Pour dire à tout le monde, pas qu'il est débutant, pour dire à tout le monde que le jiu-jitsu, c'est pas simplement un sport des combats. Le jiu-jitsu, c'est un sport de paix, de partage. D'accord? Et un sport, une hygiène de vie. Donc, prenez ça pour vous, comme si vous alliez dans un parc de diversion. Amusez-vous au maximum et oubliez toutes les responsabilités que quelqu'un va mettre sur votre dos. Ouais. Okay. Comme ça, vous allez avoir beaucoup plus d'envie d'apprendre et toutes les responsabilités que vous devez avoir, ça va venir naturellement. C'est moi qui vais décider si j'ai fait ou si j'y vais. Ouais, ok, voilà. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez avoir plus d'envie de participer, d'être au lieu d'entraînement, où vous êtes, n'importe quel soit le club. Donc prenez ces conseils-là parce que je pense qu'au début c'est ça qu'il faut que vous enregistrez pour le moment. Après le restant, votre coach il va pouvoir développer sur vous. Mais ça au début c'est très important. Ben merci, on va se quitter sur ces belles paroles. Merci beaucoup Christian. Ouais. À la prochaine. Ouais. Et voilà, donc on va se quitter sur ces très belles paroles de Cristiano. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Ben voilà, c'est vrai qu'on oublie parfois de s'amuser, comme il l'a dit à un moment dans l'interview. Il faut pratiquer le jujitsu comme si on était dans un parc d'attractions. Donc s'amuser, sans penser forcément à toutes les responsabilités, les engagements ou autres pressions qu'on peut se mettre quand on vient s'entraîner. Donc quand quelqu'un vient pour s'amuser, qu'il le veuille ou non, il va continuer à progresser. L'important, c'est de venir. Donc voilà la team Jiu-Jitsu Attitude, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ou quand je vous envoie un email, quel autre black belt vous aimeriez voir dans cette série, dans la tête d'une black belt. Ces vidéos vous plaisent et d'une manière plus générale, le blog vous plaît, aidez-moi à le développer, aidez-moi à le faire connaître en partageant mes articles, les vidéos, en mettant des pouces bleus, en s'abonnant à la chaîne, voilà, ce genre de choses, ça m'aidera pour faire connaître le blog et éventuellement aider un maximum de gens de la même manière que ça m'aide moi en participant à la vie du blog à progresser dans ce sport. Donc je vous remercie pour l'attention et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.